c'est Diablo et on va continuer et terminer comment les cookers général avec la dernière campagne, les Américains. C'est parti, let's go. Mon général, je suis le lieutenant Eva, votre officier de liaison pour cette campagne contre la GLA. Nous détenons la preuve qu'elle s'est procurée des armes bactériologiques. Et leur piste mène à Bagdad. Nos troupes font le siège de la ville et attendent vos ordres. Tiens, 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 Bagdad. Comme c'est étrange. Ici patrouille, aucun ennemi dans le ciel. Qui a été descendu. Quelqu'un a vu un parachute. Dégagé, pas de parachute. Compagnie Echo, engagez le combat. Reçu, il s'est entré dans l'ordinateur. Ennemi au contact, distance 200. À tous, attendez mon ordre. Percer à travers les lignes ennemies. Mon général, nous devons prendre Bagdad et éliminer tous les membres de la GLA. Donc on a une petite base pour l'instant. Alors, je vais vous faire aussi un petit peu le topo des unités des Américains. Donc, on a les Humvees. Je vous emmène. Donc, c'est les Jeeps, hein, les... qui est en équipe des... de la GLA. Donc, ici, apparemment, on a des pilotes prisonniers. Ouais. Donc, on a les Rangers. Donc, ça, c'est l'équivalent des rebelles ou des gardes rouges, voilà. Et après on a des lance-missiles, voilà. Après, donc les Américains, eux, ont la particularité avec leur poste de commandement d'avoir directement un radar. Voilà. Visiblement on a des avions qui font la patrouille. Donc les Américains ont la particularité aussi d'avoir voilà, des hélicoptères qui font le ravitaillement, donc des Chinook, voilà. Bon, c'est un peu plus long à ramener de l'argent, mais ça ramène 600 par 600, donc voilà, ça va quand même. C'est un peu équilibré par rapport aux ouvriers qui ramènent 75 par 75 et les camions 300 par 300 pour les Chinois. Voilà. Ensuite, bon, là on a accès aux Crusaders, donc c'est des tanks basiques, hein, à savoir qu'ils sont un peu plus puissants que les Scorpions de la GLA. Et on a aussi la possibilité de faire les paladins, mais pour ça il faut obtenir une promotion. Donc on va hop, la déverrouiller, voilà. Autre particularité, les Américains utilisent des drones, j'en avais déjà parlé je crois. Donc là on fait activer un drone espion, donc c'est envoyé directement depuis le poste de commandement. On peut envoyer un drone espion qui peut espionner la zone. Autre particularité des Américains, on peut utiliser un satellite espion. Hop, voilà. Là, visiblement, on a un chantier là qui. C'est un peu bizarre. Donc là, on a des Derrick à capturer si on veut plus de pognon. Mais normalement, c'est la première mission, donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Hop, on va quand même faire 2-3 chars paladins en renfort. Donc, la particularité du char paladin, je l'avais déjà expliqué, hein, c'est qu'il y a un petit laser qui peut désactiver des missiles. Voilà. Et à côté de ça, bah on va faire aussi un peu de lance-missiles, on va pouvoir les mettre en garnison dans les Humvees, puisque ça peut tirer à l'intérieur. En mettant à l'intérieur, ça peut tirer des missiles, donc
Intéressant. Vous aiderez au rapport. Ensuite, pour tout notre tank, on va utiliser les drones de combat. Réservons. Donc ça va, également, ça va faire une petite traînée qui va tirer et aussi réparer les tanks. Voilà. J'ai mon lance-missile sur moi. Pour les ennemis, on va faire des drones de reconnaissance, comme ça on pourra voir un peu plus loin. Voilà, voilà. Aussi, autre particularité de des Américains, ils peuvent améliorer leur centrale, donc là on peut pas. Là on peut les améliorer pour qu'elles... J'ai mon lance-missile. Renseignement signale la présence d'armes bactériologiques. Soyez prêts avec une ville à la moindre alerte. La Gérald a décidé d'attaquer un. Voilà, on fait qu'une bouchée, hein. Je peux en tirer un. On va pas tout de suite attaquer, on va attendre d'avoir une petite armée suffisante. Donc là aussi, particularité des Américains encore, c'est les. C'est les pilotes. Attendez, je crois que ça a sonné chez moi, je sais pas. Non. Bon, j'ai dû rêver. Réservons la liberté. C'est les pilotes, la particularité numéro 2. Je peux tirer partout. C'est les pilotes, donc les pilotes, ben c'est. Je protège dit, c'est, vrai, c'est les pilotes des véhicules. Une fois qu'ils rentrent dans un véhicule, ils obtiennent une étoile, voilà. Ça les upgrade un peu. Donc c'est un peu plus résistant. Un peu plus, c'est parti. Ils font un peu plus de dégâts. Voilà, et à partir du niveau 3, normalement ils peuvent se réparer tout seuls sans avoir besoin de drone aussi. Donc là apparemment j'ai des avions qui. Je peux pas les sélectionner, ouais, c'est bien qui me semble. À vos ordres. Sa première mission, c'est vraiment peut-être hein, la possibilité d'utiliser. Faisons route. Tir de missile détecté à toutes les unités, reculez. Tir de missile. Ah, ouais, excusez. Washington veut qu'on fouille les montagnes et qu'on détruise les sites Scud. Voilà, ça c'est l'objectif principal, c'est détruire ça. Ok, ok, on va vous faire. Vous aidez au rapport. Washington désire. Je déblaye le terrain. Faisons route vers la cible. Là, mais attends. Je déblaye le terrain. Il y a des unités en garnison. Avancez prudemment. Il va falloir faire des rangers. Alors, est-ce qu'on va débloquer tout de suite la. La grenade flash. Votre mission, chef. Ou pas, on va voir. Une démonstration de force. Je déblaye le terrain. Je vais les réduire. Les ennemis se sont retranchés dans des bâtiments civils. Peloton d'assaut, faites-vous larguer sur les toits et nettoyer chaque étage. Si vous en voulez, on a des points forts. Votre mission, chef. Une deuxième partie de la tête. Les Américains aussi peuvent voilà, envoyer des soldats dans le bâtiment. Entrez par le toit et ratissez tout. Et ça déloge. Blindé de combat au rapport. En route. Deux façons de pouvoir virer les unités dans les bâtiments, c'est soit avec l'hélicoptère, soit avec les rangers en utilisant les flashs. Bon, on détruit ça. On les peut libérer. Je vais les réduire en mille. Ouvrons le feu. Le palais est sous notre contrôle. À toutes les unités, poursuivez progression. Je gagne du terrain. Dans ma ligne de côté. En route. Faisons route vers la cible. Allez, réveillez. Déblaye le terrain. Je gagne du terrain. Voilà. Faisons route vers la cible. Allez, vous avez venu. Avec juste ça, on peut. Voyez. Toujours prêt. Félicitations, général. Vous avez été promu. Unité perdue. Les commandos arrivent. Camp de prisonniers droit devant. Libérez ces pauvres types. Besoin d'un coup de main, entre dans le bâtiment. Ils sont un peu bêtes. Faites rentrer ces pilotes dans les On véhicules. A besoin de moi oh. Il y a des alliés là-bas. Toujours prêt.
Destination confirmée. Les commandos arrivent. Hop. Trouver et détruire. Bon, allez, je peux rusher. À vos ordres. Je déblaye. On va rusher. Faisons route vers la cible. Là où vous voudrez, mon général. En route. De finir assez vite la mission, histoire d'enchaîner. Là où vous voudrez, mon général. Faisons route vers la cible. J'aurais bien terminé le jeu aujourd'hui. Compris. Big Bird vient sur vous. Et après, on pourra passer à l'extension. Quoi, l'autre partie va être les Américains, la bombe. Et en plus, je peux améliorer. On peut faire les. Je déblaye. La clé Amrès, c'est pas très grave. Pulvérise. C'est une idée qu'on voit, même si on ne sont pas contrôlables. On les pulvérise. Ça, c'est une compétence. Je pilote l'ennemi. Je vais les réveiller. Je vais les réveiller. En route. On les pulvérise. Dans ma ligne de tir. C'est un peu. Je pilote l'ennemi. Dans ma ligne de tir. Les bifons d'essence, ça se sent. Je vais les réduire en miettes. Je pilote l'ennemi. Ouvrons le feu. En route. Unité perdue. Je déblaye le terrain. Allez, réveillez. Je déblaye le terrain. Faisons route vers la cible. Je pilote l'ennemi. Allez, réveillez. Là où vous voudrez, mon général. En route. Simple que ça. Scud détruit. Bagdad est à nous. Félicitations, mon général. Victory. Pas compliqué, hein. Voilà, donc ainsi s'achève la première mission des Américains. On enchaîne tout de suite avec le reste. Moi, je vous dis ciao. À la prochaine vidéo.